démo de deux outils pour armes qui permettent de travailler au niveau de regarder un petit peu l'état des fichiers. Donc on part d'un fichier qui a une petite procédure de multiplication par deux. Donc ça peut être s'appeler x2 sans ES, sans entrée-sortie. Donc ce fichier-là, donc il y a une zone donnée, on fait multiplication par deux et on remet le résultat dans la zone donnée. Donc au moment où on fait la compilation, GCC de ce fichier-là, on obtient un fichier à point out qu'on peut aller voir. Donc ça permet de savoir un petit peu comment tout ça a été traduit au niveau machine. Alors, le fichier lui-même, hein, il est assez illisible, mais avec un utilitaire, on peut réobtenir quasiment. Donc, oups, j'en ai peut-être trop demandé. Oui, le fichier entier, il est trop gros. Donc en fait, on va compiler seulement pour obtenir la traduction juste de l'assembleur sans tout ce qui est autour. Donc du coup, objdump, le fichier, il doit s'appeler x2, je pense, sans es.o. Et on obtient donc la traduction en hexa ici de ce qu'il y a dans le fichier, et puis l'interprétation si c'était bien donc de l'assembleur. On retrouve ici la zone, donc ça c'est la zone texte, il y a d'autres directives pour obtenir les autres zones. À la fin de la zone texte, il y a deux données qui sont traduites, donc c'est 0 et 4, c'est les adresses dans la zone data, les adresses de D et de R au début de la zone data. Et les interpréter en assembleur, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ce logiciel le fait tout de même. Deuxième outil, donc ce premier permettait de voir le code lui-même à partir de l'assembleur. On va se situer un niveau avant. On prend un fichier C. Alors, donc le fichier C, il fait pas grand-chose, hein, il simule un petit peu ce qui était fait tout à l'heure, c'est-à-dire il a deux variables, D et R. Et déinitialiser à 5 et on le décale en multipliant par 2. Bon, on met le résultat dans R. Donc si on compile ce fichier-là, c'est avec la bonne option, le résultat n'est pas un fichier exécutable, mais donc la bonne option moins S, grand S majuscule, arrête la compilation à l'état assembleur. Donc on peut aller regarder comment ça a été traduit en assembleur. On obtient bon, beaucoup plus que peut-être que ce qu'on pensait obtenir, mais on retrouve ici l'initialisation de l'un des variables temporaires, des registres temporaires à 5. Ici, on retrouve la multiplication arithmétique, oui, c'est plutôt arithmétique que logique, par 2. Et le rangement, donc les choses sont dans la pile, rangement dans la pile à l'adresse qui est probablement après, donc la variable locale de main, après le D, c'était le R. Voilà, on peut étendre l'utilisation de ce compilateur pour voir les appels aussi aux procédures et faire donc un lien avec ça, avec le C par exemple.